Thank you.
Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Enfin, j'ai été couchée cet après-midi parce que je faisais une migraine, mais là, ça va mieux. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Que demain, vous faites ce que vous voulez. Si vous vouliez travailler, que vous travaillez. Si vous vouliez pas travailler. Niveau demain, il n'y a pas de crèche, du coup. Je pourrais streamer peut-être pendant la sieste, s'il y a une sieste. Et il y a intérêt à y avoir une sieste. Et le soir. Je pense que pendant la sieste, je jouerai à Cassette Beast. Et que le soir, je jouerai à Spiritfarer. Voilà! Donc là, on était donc dans Pokémon Bouclier. On est quoi? On est sur la route 8. Donc voilà, il y a un peu y a du sable de partout. En gros. Il y a des Pokémon de partout. Normalement, Examachin, je l'ai eu. Plaque Pixie, objet à tenir, une tablette en pierre augmentant la puissance des capacités de type fée. Un peu très chou. Voilà. Donc là, nous avons des géolithes. Un rappel max, c'est pas dégueu vu que c'est en nombre fini les rappels max, on ne peut pas en acheter. Un Drascore. Évolution du Rapion, je suis même pas sûre d'avoir déjà croisé un Rapion. Je vous avoue. Mais on a plein de Rapid Balls! Mince, ça y était presque. Fichtre. Et salut Rinouche, comment ça va? Envoyer Gorythmique avec fauchage. Du coup, Thierry Bug, il a voté Pokémon. Eh ben ça va, j'ai été couché cet après-midi à cause d'une migraine. Et là, ça va mieux. Voilà. Y a pas là. Bah c'est ça. Après j'ai dit vers 20h. Et en vrai, même si vous venez pas voter, moi ça me donnera une idée. Sur week-end. Ouais, bah c'était intense. Et là cet après-midi la sieste a été un peu chaotique. Donc voilà. Puis du coup bah j'étais couchée et elle a regardé Rin Rin Rourousse. Donc elle était contente. Pour les non-initiés, Rin Rin Rourousse, c'est petit ours brun et grand ours rousse. Parce que Raphaël ne regarde pas petit ours brun, elle regarde les deux personnages. Une petite hyperbole. Ah oui, c'est que je les ai rangés. Donc voilà, demain après-midi, je fais Cassette Beast et demain soir, Spiritfarer. Voilà. Et peut-être je lui montre un Disney, mais j'ai pas encore fait le pas. Nous avons donc attrapé Drascore, qui est de type poison. Et ténèbres. Sa férocité lui a valu le surnom de démon du désert, mais face à un Hippodocus, il est parfaitement docile et évite de le provoquer. Je trouve super moche Drascore, mais les rapions, je les trouve mimes. Il y a deux passages. Oh non, un combat! Je ne m'y attendais pas. On compare souvent la vie à un voyage, mais atteindre une destination ne veut pas dire que tout est fini. Oh, c'est tellement vrai ce qu'elle dit. Tu taffes toi demain, Rinouche? Non, tu taffes pas demain en plus. Tu... Oh, je me fatigue. Fantirme! Lui, il évolue en dragon à un bon gros dragon. Mais je crois qu'il n'y en a pas dans celui-là. Je crois qu'il est que dans épée.
Alors, je sais plus si vol, ça tape sur dragon. Oui. Et un rip? Vostourno, qui est un Pokémon de type vol. Et c'est bon, je ne sais toujours jamais. Jamais. Ce qui tape sur. C'est ça. Oui, en fait, c'est que j'ai perso. Ah si, glace! Bonsoir, Bouboule. Corvallus, on change! Sors Bouboule, go! La type Akanin qui nous fait tomber de la grêle. Ça va, elle a pas d'autres Pokémon derrière, parce que sinon après, moi j'aurais changé Pokémon et il se serait pris des dégâts de grêle. RIP. Vous avez battu Becky, la randonneuse. J'ai perdu, mais ce n'est pas terminé. Je pourrais me battre à nouveau. Maxi Pépite. Ouh, ça va valoir cher. Par contre, là derrière à droite, il y a une CT. Je sais pas comment on y va. Et je pense que nous allons nous faire un petit curry à table. Eh ben, bon appétit. Ça tombe bien, moi je vais faire un curry. C'est pas ça, moi je veux l'équipe. Ah, toute bonne app. Et bonjour chez toi. Non, on va pas faire un curry en vrai. J'en ai qu'un seul qui a des dégâts. Calpion. Oh non! Allez, viens, je t'invite à un concert privé. Ah oui, c'est un chanteur. Lilian, le musicien, veut se battre. Avec une Lux Ball. On ne se refuse rien. Et donc, Togemaru, là, je ne l'ai pas eu. Vu que c'est à ce moment-là que ça a crashé. Oui, Pokémon crash. Par contre, c'est un Pokémon de type électrique. Si vous voyez ce que je veux dire, je suis de type vol. Si je le one-shot pas. Ça me. Ah non, ça va. Et franchement, ça va, c'est pas si pire. Après, j'ai rien qui tape sur du électrique. On va envoyer Mouflaire. Et puis, c'est tout. Alors, eh ben on va le cramer, il doit bien craindre le feu quand même. Ah, surtout qu'il est peut-être de type acier même. Ce ch'tipère. Et nous avons battu Lilian. Quel échec! Mon Pokémon et moi, on n'était pas accordés. Ouais, et puis t'as un Pokémon, quoi. Une pépite. Il va y avoir des examens machins qui vont sortir par tous les trous du sol là. Alors, un petit chemin, un petit crabe. Est-ce qu'on en a déjà eu de crabarak? Je ne suis point sûre. Eh bien, si. Donc, on va.
Il va souffrir. C'est super efficace. Sérieux, je t'y perds, il m'a fait 3 pauvres points de dégâts. Non, mais non, mais... Rip. J'en avais déjà attrapé un, donc... Osef. Casse-brique. Qui doit être de type combat. Lanceur attaque avec le tranchant de la main. Permet aussi de briser les barrières comme mur lumière ou protection. Oh, c'est cool. La puissance incommensurable de mes Pokémon n'a d'égal que mon élégance. Pour les affaires, il faut savoir communiquer. The communication, tu piges, c'est essentiel. Et sans me voter, c'est grâce à ce skill que je m'entends si bien avec mes Pokémon. Super. Scotty et Cassandra, les collègues de bureau, veulent se battre. Un Hippodocus et un Minotaure. Nous, Corvallius et Astronel. Non, franchement, Astronel, il ressemble vraiment à rien. Mais bon. Et tempête de sable. Ça va être lourd. Tout le monde va se prendre des dégâts. Je regarde s'il n'y a pas une attaque qui taperait sur tout le monde. Non. Eh ben, ce sera Becvrille sur Hippodocus. Et Astronel a envie de retourner se coucher. Super survinsecte tape sur les deux. Mais j'ai rien qui est efficace sur Minotaure. J'hésite à changer de Pokémon. Non, ça va, il est niveau 36. Devrait s'en sortir quand même. Puis après, de toute façon, on pourra aller se soigner. Hippodocus est mort. RIP. Corvallius monte au niveau 50 et il veut apprendre à passe. Je me demande si ça le blesse pas. Blesse gravement le lanceur. C'est mort. Je sais pas si eux ils ont d'autres Pokémon. Oui. Un autre de type acier. Alors, qu'est-ce qui tape contre le type acier? Le feu, on est d'accord. Et le... Eh ben ça va être du feu. Et Astronel, bah pareil, on va changer, hein, parce que... Quoique... Ouais, non, si, on va changer, hein. Je vois pas l'intérêt de s'enquiquiner avec des Pokémon qui tapent pas. Parce que, ouais, le type acier est quand même résistant à énormément de choses. Donc oui, on se prend des dégâts de la tempête de sable, c'est bon, on a compris. Alors, choc venin, aucun effet. Toujours pas d'attaque qui tape sur les deux, non, balance flamme alors, sur Minotaure. Et lui, balayette. On va faire balayette sur le même, comme ça. De toute façon, je pense... On va one-shotter Berserkat et on va pas pouvoir... Hein? Y'a personne qui a pris de dégâts là, vous voulez dire? Vu que Minotaure il a fait tunnel. Sérieusement? On se moque de moi. Comme il était sous terre, Minotaure, on l'a pas attaqué, mais on n'a pas reporté notre attaque sur le copain. Et bien sûr, Mouflair, il est confus. Sinon, ce serait pas drôle.
et tout le monde se prend des dégâts. Très bien, bonne ambiance. Et l'autre débile, il est retourné sous terre, en sous-sol, avec son attaque tunnel. Mais au moins, il n'y a plus de tempête de sable. J'espère que vous passez tous un bon dimanche soir. Alors voilà, hein, quand il attaque en premier... Oh, Scrony. Sérieux, il est niveau 36. Il va me ken deux Pokémon niveau 49 et 50, quoi. Et sérieux, il aura fait des dégâts, Minotaupe. Et en plus, il y a un copain derrière. Scrony. Lucario doit être de type acier aussi, si je ne m'abuse. Yep. C'est super efficace. RIP Lucario. Et nous avons battu Scotty et Cassandra, les collègues. Allô, tu vas pas me croire? Ces Pokémon sont aussi puissants qu'élégants. C'est pas en enchaînant les fails que je vais faire monter mon chiffre d'affaires. Champiduit? Qu'est-ce que c'est? Champiduit. Objet à tenir prolonge la durée des champs que les Pokémon peuvent créer sur le terrain. Ah. Eh ben, allons-y faire un petit... Je m'explique comment m'approcher doucement des Pokémon. On va se faire un petit curry. Oh, y a tous les Evoli. Donc, Mentali, Pyroli, Philali, Voltali, Aquali, Noctali, Givrali. Et il est où, Nymphali? Même si c'est celui que j'aime le moins. Y a pas Nymphali? Bah non, on dirait pas. Oh, y a un Evoli qui était caché. Non mais pousse-toi, Mentali. Mentali, c'est le préféré de Flork, je crois. Donc il n'y a pas de, de Nymphali. Ah, peut-être il est de la... Non, il n'est pas de la 9e génération, Nymphali, ici. Nymphali. Bah non, 6e. Je sais pas pourquoi il est pas là. Ça me perturbe. Bref, cuisinons. Donc je sais pas ce qu'elle va avoir comme baie, quoi, comme nourriture. Donc dans le doute, j'ai 35 baies citrus. Bah on va... Envoyer 10 baies citrus? Non, c'est un peu débile. On va en prendre 4. Et allons-y. Qu'est-ce qu'elle va nous mettre comme ingrédient? Des baies orang, ok. Des baies kika, ok. Encore des baies kika. Mais on est combien? Baies citrus. Et des nouilles instantanées, super. On va pas trop... Parce qu'on est quand même 4 à attiser le feu. Hop. Et on touille et on touille. Allons-y. Kika, je sais pas c'est quoi comme...
comme baie. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. Ils ont tous oublié de lancer leurs pincées d'amour. Et donc, il n'y a pas de nymphalie. Que 3 étoiles, alors qu'on était 4. Je suis un peu triste. Mais bon, tout le monde est soigné. Et c'est encore Sorboboule qui se retrouve tout seul au niveau 49. Il a vraiment pas l'air fin. Dans le doute, on va sauvegarder. Et allons-y. Nous allons donc à Ludester. Enfin, d'abord, il caille sa mère. Alors, qu'est-ce que c'est ? Stal gamin, on a... Oh, un frisonnille ! Sérieux, il est trop mims. Frisonnille, il est trop mignon. Avec ses petites mandibules. Et une rapide ball. Yeah! Nous avons attrapé Frissonnie qui évoluera en Belle de Neige. Il se nourrit de la neige entassée sur le sol. Plus il en mange, plus les épines sur son dos grandissent. Donc un Pokémon de type glace et insecte. C'est quoi ça? Deux morceaux d'étoiles. Ouh! Encore un frissonnille. Et bon, on va faire du brouhaha. Hein. What? En un coup? Quand même. Jeune challenger, au nom de la loi, je vous arrête. Votre sanction, un combat. Oula. Heureusement, Kikisa est pas là. Enzo, le policier, veut se battre. Et il envoie un Arcanin. C'est mesquin d'avoir un Pokémon de type feu alors qu'il n'y a que des Pokémon de type glace. En plus, il m'intimide. J'ai 10 niveaux de plus, on va tenter Brouhaha. Peut-être je vais mourir. Peut-être, c'est probablement une mauvaise stratégie. Ça va. Bon, ça va. J'ai plutôt bien résisté, je trouve, à son attaque de type feu. Et il envoie un Fulgudog. On va continuer sans changer, hein. Donc l'évolution du vol toutou. Sérieux, il lui restait un PV, quoi. Mais ça va, il est mort de la tempête de grêle. Et nous avons battu Enzo. Être aussi forte, c'est criminel. Et nous sommes donc arrivés à Ludester.
Bienvenue dans la ville des neiges. Tu connais son nom, n'est-ce pas? On dit que les Pokémon sont super bien installés dans leur Pokéball et dans leur boîte PC. Oui, enfin, c'est comme le fait qu'on dise que les poissons rouges, ils ont zéro mémoire. C'est pour que tu sois moins, tu te sentes moins coupable de les mettre dans un tout petit bocal. L'infirmière, elle soigne même les Pokémon dans les boîtes. Elle est vraiment gentille. J'ai assisté à toutes sortes de combats, alors crois-moi, j'ai l'œil. Tes Pokémon et toi, vous allez devenir encore plus forts. C'est fatigant pour mon pauvre Corvallus de faire le taxi. Il a bien mérité un peu de repos. Alors on va se soigner. On va faire le moment un peu relou de on renvoie les Pokémon en mission. Bonjour, que veux-tu faire? Participer à la loterie? Comme d'hab. J'ai jamais gagné. Enfin, j'ai jamais gagné le gros prix. Bravo, au moins un chiffre. C'est pas si mal, tu as gagné le quatrième prix, une bouteille de lait meumeux. À la prochaine, que veux-tu faire? Voir les missions du Poké Service. Alors. Les résultats. Et on dit merci le bouton mute qui me permet de me moucher. C'était du travail de chef. 12 000 XP. Mais ils n'étaient pas assez nombreux. Mais j'ai quand même eu une limonade. Waouh. Là, j'en ai envoyé 5, il me semble. Eh ben non, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, ils en affichent toujours que 5 sur l'écran où je leur dis au revoir. On m'a donné 1500 balles. C'est pas dégueu dégueu, mais c'est pas ouf non. Et on me donne 2 faible balls, ok. Des Pokémon de type sol. Excellent travail. 25 000 XP, punaise. C'était un travail magistral. Une pierre lune, ok. Qui permet de faire évoluer Rondoudou, entre autres. Et Mélofée. Là, je dirais que c'était des Pokémon de type électrique dont ils avaient besoin. Bon travail. Ouais, je pense qu'ils étaient pas assez. Et je gagne 2 limonades. Non mais moi je veux de la bouffe. Genre de la bouffe rare. Pour l'écurie. Oh, ça c'était des Pokémon de type fée. Avec Togepi! Togepi! Je cherchais des top modèles. 25 000 en XP. Et on me donne 6 000 Pokédollars. Ça va. Et enfin, les Pokémon Psy. Six mille points d'XP, c'est pas ouf. Et une limonade. Très bien, et bien c'est parti. Alors, pour garder nos sols toujours plus reluisants, nous recherchons des Pokémon férus de cirage. Il faut que ça glisse comme sur la banquise. Donc, type glace, ici, il faut que ça glisse comme sur la banquise.
Ok, service. Alors. Eh ben non, de type feu. Non, c'est pas ça. Panique en cuisine. Nous, on veut des sols qui brillent. Voilà. Bien de type glace. Donc c'est parti, hein. Là on va juste faire nos petites recherches. Type glace. Un mignon frisonnier. Alors, et j'avais un farfuret aussi. Ok, bah on est bien. 6 sur 8, ça va. Très bien, voyons. Pendant 24 heures. De toute façon, on va pas rejouer avant au moins mardi. À la mine, nous recherchons des Pokémon à la mine sombre. Ça, on l'a déjà fait. Donc, ils veulent des Pokémon de type ténèbres. Hop. Eh ben, on en a pas mal de type ténèbres. Parfait. Envoyons. Au revoir les copains. À demain. Au suivant. Pokémon de type Norman. Pour répondre aux besoins des clients de cet hôtel. Et voilà. Au suivant. Salut les copains. Cueillette de fleurs en forêt. Cueillir fleurs en forêt est périlleux. C'est pourquoi nous recrutons des Pokémon poison existant au type plante pour nous aider. Ou poison, je dois pas en avoir énorme. Eh ben, si j'en ai déjà 6, 7 et 8, c'est bon, j'ai le quota de Pokémon de type poison. Donc allez, salut les chouchous. Après, le type feu aussi, il résiste aux Pokémon de type plante, hein, mais... Nous avons besoin de l'aide de Pokémon eau pour s'assurer de l'étanchéité de nos coques de bateau. L'eau classe industrie. Cherchons des Pokémon de type eau. Ben voilà, là j'ai tout mon tas. Parfait. Et ensuite, il me restera plus qu'une mission et on pourra continuer le jeu tranquillement. Développement de chaussures de course. Nous recherchons des Pokémon de type électrique, dotés d'un maximum d'endurance pour tester nos nouvelles chaussures de course. Eh bien, allons-y. Je suis pas sûre que j'en ai beaucoup d'électriques.
5, 6, 7. J'en ai que 7, mais ça va. Ça aurait pu être pire. Pardon. Ok, très bien. Est-ce qu'on a des choses à acheter ici? On est comment en hyperbole? Voilà. Donc très bien, allez-y. Visitons le reste de cette jolie ville de Ludester. La ville a l'architecture ancienne, construite autour d'une source thermale. Il y a plusieurs. On va se faire toutes les maisons, hein, comme d'hab. On dirait pas, mais dans ma jeunesse, j'étais une challenger à succès. Tiens, c'est ma CT préférée. Ok. Tomber roche. Ah, c'est cool! J'en ai pas beaucoup des attaques de type roche. Les rochers frappent l'ennemi, réduit aussi sa vitesse. C'est une CT ou c'est une DT tomber roche? C'est une CT en plus. Que je peux apprendre à Pandarbar si j'ai envie. J'hésite. Franchement, parce que plaquage. Oh, quoique. Ouais, si, on va virer plaquage. Erreur inouche. T'as bien mangé? Qu'est-ce que t'as mangé? Mon poule paf vient de sortir des thermes. Il a la peau éclatante. Bonjour madame. Quand je regarde ces flammes danser, c'est comme si mon cœur s'appelait. Super. Cordon bleu lentille. Parfait. Ah, si j'avais encore des cheveux, je pourrais me faire une frange chez le coiffeur. Magnifique. Magnifique. Donc le restaurant. Alors franchement, t'arrives dans un restaurant, t'es accueilli par un scolopendre. Quand même. Ouais, ils me disent, on mange bien ici, on est content. Elle est classe cette tapisserie, pas vrai? J'ai déniché sur un marché d'antiquité. C'est les deux. Ce sont les deux. Les deux héros qui nous ont sauvés de je sais plus quoi grâce aux Pokémon, que en fait on savait pas que c'était des Pokémon. Mais en fait c'est des Pokémon. La source du héros prouve que les termes existent ici depuis longtemps. Donc là-bas on a la reine. On peut voir les matchs de champion d'arène sur les écrans du stade. Oh, il y a un Frisouni! Quand il fait froid, je déprime. J'aimerais pouvoir emmagasiner de l'énergie quand il gèle comme Darumaron. Ça s'appelle la dépression saisonnière. Conseil au dresseur, la liste des Pokémon proches affichée dans le Pokédex est mise à jour soit chaque jour, soit quand vous les avez tous attrapés. Il paraît que les héros du passé aimaient les termes. Les dalles en pierre refroidissent vite, du coup la neige s'y accumule en un rien de temps. Parfois on est sur le point de perdre quand soudain, bam, un coup critique. On dit que la source où le héros est venu soigner ses blessures.
que c'est la source où le héros est venu soigner sa blessure. C'est ici que, selon les anciens, le héros de Galar serait venu panser ses plaies. Voilà, on est content. Ce Pokémon là, gravé sur le mur, ce serait pas un Persian? Non, c'est soit épée, soit bouclier. À tes souhaits. J'ai pas éternué. Et je crois pas que Flork non. Qu'est-ce que j'ai dit encore? On m'a dit à tes souhaits, mais t'as pas éternué, moi non. C'est louche. Hein? Oui, ça fait peur. Hein. Bafouiller. Ah bah voilà, je peux jamais bafouiller tranquille. Dracométéor, c'est la plus puissante des capacités de type dragon. Veux-tu que j'enseigne cette technique à un de tes Pokémon? Oui. Bon bah, j'ai personne qui peut apprendre Dracométéor. Ah si, Sonistrel. Sérieux. J'ai un seul dragon en fait. Après, je vous avoue que j'aime pas le type dragon. Amécris se débrouille très bien aussi. Moi, je suis fan de Nabil et de Rosemary. Ah, c'est le pied. Très bien, on a fini cette zone. Au suivant. Un vendeur de glace. J'aimerais bien attraper un sorboule, mais je suis trop vieux pour ces bêtises. Si seulement une âme charitable voulait bien aider un vieillard comme moi en échangeant le sien contre mon caraclé, accepterais-tu? Oui, mais j'ai un sort bouboule. Donc il faut que je trouve un sort bébé, que je le fasse évoluer en sort boule. Sérieux, j'ai que ça. Ces termes pour les Pokémon ont l'air si relaxants. Ah oui, c'est vrai, mais on peut rentrer dans les bâtiments ici. Un hôtel, pas dégueu. Bienvenue à l'hôtel Yona. Je ne peux plus dormir sans mon farfa duvet. C'est devenu mon farfa doudou. J'aimerais bien visiter un endroit plein de Pokémon glace mignons. L'architecture des abords de Ludester est si majestueuse. On sent le poids de l'histoire. Bon, il n'y a vraiment rien d'intéressant à me raconter dans cette boutique. Allons en face. Il y a des frissonnilles de partout. Bienvenue à l'hôtel Yona. Nous avons des chambres libres ici ou dans notre établissement en face, comme vous préférez. J'attends quelqu'un et j'ai demandé à Sonistrel de sonder les alentours avec ses ultrasons. C'est chouette de séjourner à l'hôtel. Plus besoin de penser à faire la lessive ou passer l'aspirateur. Oui. Oui, effectivement. Comment dire? Ça a un coup, madame. J'ai vu des Pokémon de type glace, mais des Pokémon bonhomme de neige? Jamais. Effectivement. Le pire dans un combat Pokémon, c'est quand on se fait geler. On ne peut plus rien faire. C'est vrai. Qui dit froid dit type feu. Jamais sans mon grille-patte. Oh, un objet. Une poképoupée. Ok. Des frissonnies encore. Bon, moi, on a fait le tour de la ville. Notre objectif est donc de remporter le badge. Eh ben, allons-y. Est-ce que je dois passer au centre Pokémon? Non. Ok, très bien. Allons-y. On va pas s'enquiquiner, hein. Et salut Nabil. J'ai perdu. Oh non, Nabil. Je crois que j'étais pas prêt à me frotter au type glace. Pourtant, j'ai copié la stratégie du frangin. Je pige pas. Enfin, c'est pas grave. Tiens, voilà la carte de ligue de la championne. Étudie-la avant d'aller l'affronter. Non, je vais y aller et je vais peut-être perdre parce que j'ai pas de Pokémon de type feu, mais... On va essayer. J'ai vraiment du mal à me monter une équipe qui tient la route.
C'est compliqué. Allez, salut. Alors, qu'est-ce qu'il va m'offrir comme balle? Le bal masqué. Une lune ball. Elle marche particulièrement bien sur les Pokémon évoluant avec une pierre lune. Ok. C'est assez spécifique quand même. Et c'est pas la dresseuse dont il parlait aux infos? On parlait de moi aux infos? C'est cette dresseuse-là, on n'arrête pas d'en parler. Il neige sur la ville pour mon combat. C'est comme si la météo m'encourageait. Oh, un coléodome. Ne relâche pas ton attention parce que tu t'approches du buste. Au contraire. Bienvenue, Challenger. Souhaitez-vous relever la mission de notre arène? Bah oui, allons-y. Veuillez vous rendre dans les vestiaires pour enfiler votre uniforme. Mais c'est un jambe courte. Il va cailler sévère en fait. Vous aurez besoin de détecteurs de pièges. Vous comprendrez bientôt. Hein? De quoi ça s'agit? Ah oui, c'est vrai. Oh, ça va être long. Bon, je vais t'expliquer les règles de la mission d'arène de Ludester. Ton détecteur de pièges va te servir à déceler la présence de fosses dissimulées dans le sol. Car oui, sous ce parcours se cachent des pièges invisibles à l'œil nu. Si tu tombes dans l'un d'eux au cours d'un niveau, tu devras reprendre celui-ci. Mais le détecteur de pièges est là pour t'aider. Il se mettra à vibrer de plus en plus fort à mesure que tu t'approcheras d'une des fosses. Fie-toi donc à lui pour ne pas tomber. Bonne chance alors. Ah non! Oups. L'avantage, c'est que les trous restent. La présence de Pokémon Glace m'aide à garder la tête froide. Il envoie un frissonnis! Mais qu'il est mignon! Quoi, le bébé dort déjà? Après, il est tard. Alors, allez, brouhaha. Rip frissonnille. Et vous avez battu Giorgio, le dresseur d'arène. J'ai perdu, mais ce n'est pas possible. Je rêve de chips. J'ai hésité à les chouraver à Papineau. J'aurais dû. Non! What? Yippie! Ah ouais, il y en a deux, trois des trous. Très bien, n'aie pas peur. Bonjour monsieur, bonjour madame. Challenger, tes Pokémon et toi, je vais vous geler et vous briser en mille morceaux. Oh non! Edna, la dresseuse d'arène, veut se battre. Et elle envoie un Crustabri, première génération, qui va faire abri et ça va m'agacer. Commence à grêler. À faire bois. Sérieux, le brouhaha qui one shot. On va bien s'amuser. On a battu Edna. C'est plutôt ma fierté qui se brise en mille morceaux. Bah oui, parce que t'es un peu nul. C'était un peu nul comme combat. Oui, ça va tomber. C'était obligé.
Alors, Challenger, toi aussi, tu en as après notre championne, Lona. Eh oui. Et il envoie un Polagriffe, qui est l'évolution de... Ah, je me rappelle plus. Polarume. Il a une énorme boutonnée, ce petit bonhomme. Alerte neige de Sorbouboule. Quoi? Ah, voilà. Ça, c'est un Pokémon qui a un peu de défense. Super, Sorbouboule est confus. Mais ça va, on a utilisé Brouhaha. Et je comprends pas parce qu'on avait fait la moitié, moins de la moitié de sa vie et là on a fait plus de la moitié de sa vie avec la même attaque dans les mêmes conditions. Ça n'a aucun sens. J'ai perdu contre une challenger. Je suis sûre que la championne me réservera un accueil glacial. Fichtre. Ça vibre quand même sacrément. Il y a vraiment des trous de partout. Ah super, on voit que dalle maintenant. Ok, une plateforme. Une autre plateforme. Ah non, un combat! On ne sait pas sur quoi on met les pieds, mais il faut quand même aller vers l'avant. C'est le concept de la mission d'arène du stade de Ludester. Tant, tant, tant! Il envoie un Seracrawl, qui est l'évolution du Grelasson. On en trouve pas mal dans Pokémon Arceus. Et on envoie Machouille. Non! Et nous, on continue le brouhaha. Et il meurt. J'adore le bruitage. Mon bruitage de moi ou le bruitage de la télé? De moi. Bah bravo. Poursuite à route. Non. Oui. Hâte-toi, mais hâte-toi lentement. Oh, ça va. Ça avait à peine vibré. Vraiment que dalle. Ça vibre vraiment au dernier moment, je trouve. Ça va m'agacer. Là, on va là. Ensuite, là. Là, là. Oh, tu t'es perdu, pauvre bichette. Mais je voulais voir s'il n'y avait pas un objet. Là, ça vibre sévère. Là aussi.
Alice? Et voilà! Easy peasy! Ah, il y a vraiment des trous partout. C'est bon, on a fini! Je sais pas s'il me soigne. Après, ouais, ça va, il manque rien. Tu vas pas nous faire une jaunisse. Fantastique! Tu peux être fier de toi. Et ouais. Mission accomplie. Merci. Et c'est parti pour le combat d'arène. Ah oui, c'est vrai, je peux pas monter sur mon. Bonjour tout le monde. Belle, on l'a déjà croisée. Enchantée, je suis Lona. Comme tu peux le deviner, je suis entourée d'une équipe de Pokémon glace. Je t'ai vu tomber tout à l'heure. Tu avais l'air complètement perdue, ma pauvre. Ça faisait peine à voir. Enfin, assez tourné autour du pot. Il est temps pour toi de trembler de froid. Je vais commencer par geler ton équipe sur place pour qu'elle ne puisse pas s'échapper. Et ensuite, nous pourrons passer aux réjouissances. Que croyais-tu? Que je serais douce et gentille? J'ai élevé un gamin difficile. Je sais qu'avec les enfants, il ne faut jamais se laisser aller à la pitié. On n'a pas l'air d'être sympa quand même. On est obligé de. Lona, la championne d'arène, veut se battre. Elle envoie un bel de neige qui est donc l'évolution du Frisoni. Vas-y, sors Bouboule! Vas-y, fais neiger, comme ça tous les Pokémon de type glace, ils risquent de regagner des niveaux. Enfin, des points de vie. Mais bon, allez, brouhaha. J'ai quand même 10 niveaux de plus, quoi. Et je suis du bon type. Ouille! Bourdon, ça tape un peu plus fort. Rip, belle de neige. Au suivant. Darumacho. Je ne sais pas. Ah mais si, mais j'ai un Pokémon qui a des attaques de type feu. Enfin. J'avais complètement zappé. Vas-y, moufler. Crame-lui la tête. Même pas one shot. Je suis un peu triste. On se prend quelques dégâts. Darumacho rentre en mode transe. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On va faire morsure plutôt. Du coup. Mais c'est quoi ce. J'avais aucun souvenir de ça. Alors, qu'est-ce qu'elle va envoyer? Pékka Glaçon. C'est un Pokémon de type vol. Peut-être on va. Non, on va continuer avec. Avec Mouflaire. Ah oui, il est chiant. Faut d'abord lui péter la tête. Et après. Ah non, là ça marche. Mais des fois, il se prend pas de dégâts. Donc ça doit être quand t'es pas de type feu. C'est super efficace. L'Oclass, par contre, il est aussi de type eau. Donc ça va pas marcher le type feu. Ah.
Bon, on va partir sur du psy, du coup. Parce que voilà, Loclast, il est Pokémon, c'est un Pokémon de type eau et glace. Et du coup, si... Ah oui, mais il aurait... Ah oui, mais il aurait pas craint le feu. Jusqu'à présent, tu n'as vu que la partie émergée de l'iceberg. Le meilleur arrive maintenant. Loclast, Pokémon de la première génération aussi. Que j'aime beaucoup. Astronelle préférerait faire du camping. Allez, Psycho. Ah oui, mais elle va nous le Dynamaxer. Gigamax agit tout de suite. Je crois que Flore qui allait se coucher sans manger. Il est joli. La capacité de mon partenaire va te faire découvrir ce qu'est le zéro absolu. Uh-oh. Ça va? Ah. Ou alors augmente la résistance des Pokémon de l'équipe. Il part à quelle heure? Tôt, il a dit. Donc c'est pas lui qui lèvera le bébé. Mais j'ai pas plus d'infos. Franchement, le Astronel de 15 mètres de haut, il est vraiment flippant. Celui-là, je le montre pas à l'abominable petite créature. Loclast fait Hydromax. Ou critique. Et il se met à pleuvoir. Psychomax. Et franchement, il est pas, il craint pas énorme. Psy. Alors, qui va-t-on envoyer? Eh ben, je vais envoyer Gorythmic. Voir si il craint le type plante. Après, peut-être pas et on s'en fout, mais on verra bien. Oh, il est plus dynamaxé, je t'y pépère. Allez, tambour battant. Rip, c'est super efficace. Ça se trouve, Loclast serait que de type eau. Attendez, quand même pas. Hop, Loclast. Non, eau et glace quand même. Votre équipe a gagné des points d'XP. Yeah! Sauf Astronel qui est mort. Vous avez battu Yona, Lona, la championne d'arène. Oh! Moi qui pensais te vaincre sans problème, je tombe de haut. Elle m'insupporte un peu cette... Eh bien, ma foi, tu te défends bien. Certes, c'est bien triste de voir mes Pokémon perdre, mais c'est toujours agréable de rencontrer une adversaire digne de moi. Tiens, accepte ce badge glace. Sixième badge! On peut maintenant capturer des Pokémon jusqu'au niveau 50. Si tu deviens maître, il se peut que mon fils vienne te défier. Mais c'est qui son fils? Ce serait pas Trévis, je me rappelle jamais. S'il se présente devant toi, mets-lui une bonne raclée, veux-tu? Ça lui apprendra la vie. Ah, une maman aimante, c'est ça qui est bien. Bravo pour votre victoire face à Lona. Vous avez bien mérité cette CT. Vent-glace. Une bourrasque de vent froid blesse l'ennemi, réduit aussi sa vitesse. Et l'uniforme glace. Très bien. Le badge de glace vous va à merveille. Continuez comme ça, Mekli. J'arrête d'être fan de Kabou. C'est elle ma star maintenant. Et ouais, je suis trop forte. Trop trop forte. Et salut Sonia.
Super combat! C'est pas une arène facile à surmonter, mais tu as assuré. Quoi de mieux pour fêter une victoire qu'un bon restaurant? Et ça tombe bien, il y en a un à Ludester. Allez, te fais pas prier. On se retrouve chez Bob's Grill. Il y a un truc dont je voulais te parler. Est-ce que mon équipe est soignée? Oui! Très bien. Eh bien, allons-y. Et voilà. Salut Amécli, c'est bon, t'as le badge? Cool. Ah, tu es là, on t'attendait. Toi, c'est les chips. Moi, c'est ma tartine hier soir. Non, mais chèvre Nutella, ça n'existe pas. Ça suffit. Franchement, n'importe quoi. Enfin! Je dois vous dire qu'entre ces histoires de nuit noire et de Pokémon avec une épée et un bouclier, je suis un peu perdue. Attendez! Mais c'est quoi ça? Une cinquième tapisserie? Les deux héros ont l'air désespérés. Où sont passés l'épée et le bouclier? Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ils ont peut-être été scellés? Un sceau? Intéressant, mais s'ils sont scellés, peut-être qu'ils sommeillent quelque part. Dites, si on en croit les statues d'Olchester, l'épée et le bouclier, ce seraient en fait deux Pokémon, non? Oui, c'est ce que je comprends en tout cas. Tu te souviens du Pokémon chelou qu'on a croisé? Et si c'était l'épée ou le bouclier? De quoi tu parles? Mais si, Amécli, tu sais, dans la forêt de Sleepwood. Ouais, je savais que je pouvais compter sur toi. On a croisé un Pokémon bizarre dans le brouillard de la forêt de Sleepwood. Est-ce que c'était l'épée ou le bouclier alors? Oh, mais oui, c'est vrai, vous êtes aussi entrés dans la forêt de Sleepwood tous les deux. Alors comme mon jeu s'appelle Bouclier, je dirais que c'était le bouclier. Grand-mère m'a raconté, vous avez commencé vos aventures sur les chapeaux de roue, dites. Racontez-moi ça pendant qu'on mange, vous savez ce que vous commandez? Parce que moi, oui! Ah, moi j'ai envie d'un McDo là. Eh bien, c'est quand même fou ce qui vous est arrivé. Enfin bref, maintenant qu'on a fini de manger, j'aimerais jeter un œil à l'attraction principale de Ludester, la source du héros. Vous venez? Sachant que dans ma boîte PC, dans une de mes poches, j'ai le Pokémon épée quand même. Et on dit merci Thierry Bug. La source du héros. Maintenant, ces bains sont réservés aux Pokémon, mais on raconte que c'est ici que le héros de Galar serait venu se délasser et panser ses plaies après la bataille contre la créature maléfique. Enfin, je dis le héros, mais on a découvert qu'il y en avait deux en fait. Cette histoire de héros, ça m'intrigue. J'aimerais vraiment avoir plus d'infos. Bon, ça pue un peu, j'ai mal à la gorge, j'ai le nez un peu bouché. Je sens que je vais me faire ma crève mensuelle, là, ça va me saouler. Vu que vous avez rencontré un Pokémon mystérieux dans la forêt de Sleepwood, peut-être que vous êtes destinés à devenir les héros des temps modernes, tous les deux. Oh, il y a un héros qui a une épée et l'autre qui a un bouclier, c'est ça? Je veux l'épée. Je me demande comment se battaient les héros. Donc je suppose que dans Épée, lui il veut bouclier. Allez Amécli, on montre à Sonia comment les vrais héros se battent. Ça me va. Sonia, je sais pas si c'est le curry que tu nous as payé ou quoi, mais j'ai trop la forme. Tu vas voir, on va te faire un combat du tonnerre. C'est pas ça qui va faire avancer mes recherches, mais je m'en fiche. Je veux voir ce combat. Laissez-moi soigner vos Pokémon en vitesse avant. Mais ils étaient déjà soignés mes Pokémon. Allez, une petite démo cadeau du futur maître.
Nabil, le dresseur, veut se battre. Et il envoie un moumouflon. Oh, c'est l'évolution de mon mouton. Alors, désolé. Pardon. Je prenais des nouvelles de la maison de famille. Sort Bouboule provoque du brouhaha. Mais j'ai quand même 10 niveaux d'avance, quoi. Le moumouflon ennemi est KO. RIP. Sort Bouboule continue son brouhaha. On va changer de Pokémon parce que Ronflex, c'est un tank. Donc on va envoyer direct Pondarbar avec une attaque de type combat. Sinon, on en a pour vie. Ça va me saouler. Ronflex niveau 39. Ronflex. Et il est même pas mort. Ah ouais, bien joué. Il lui reste un point de vie, quoi. Et il va mourir avec la... Sérieux, c'est la tempête de grêle qui l'a tué. Ensuite, un Corvaeus. On va changer de Pokémon. On a dit sur vol, il y a glace hein, qui tape. D'accord. Très bien, envoyons sort Bouboule. Pourquoi c'est pas très efficace? Ah, parce qu'il est de type acier. Fichtre. Donc il aurait fallu prendre Moumouflair. Non, Moufler, pardon. Après, je pense laser glace à 10 niveaux d'avance. Et il est gelé. Parfait. C'est assez perturbant. S'il est gelé et qu'il bat plus des ailes, en fait, il peut pas voler. Je sais pas vous, hein, mais... Après, mon sort Bouboule vole par magie, mais... Mais quand même! Il me reste plus qu'Astro. Elle. Lézargus, voulez-vous changer de Pokémon? Je vais quand même prendre Gorythmic. Voilà, je me disais, bah, je vais prendre Astronel et tout, il va faire Psycho. Mais ça va être long. Autant faire du très efficace. Hop. Et bah allez, tambour battant. Boum, boum. RIP les Argus. Et voilà. Ouais, fini. Ça s'appelle. La tempête de grêle inflige des dégâts algorithmiques. Oh non! Ah mais il a pas fini! Un Watapic. Envoyé Astronel. Watapic, c'est électrique. Peut-être électrique insecte. Mais les mimi ressemblent un peu à Frissoni. Mais en noir. T'as cru que t'avais le dessus? T'inquiète, ça va pas durer.
Hop, on va faire une petite attaque psycho. On va voir. Et il utilise malédiction. Allez, un dernier petit psycho, pardon. What? D'où il récupère des PV, l'autre? Ville gredin. Voilà. Mais oh. Rip. J'ai encore envie de jouer, mais j'hésite à aller me coucher. Astronel monte au niveau 51. Et nous avons battu Nabil le dresseur. J'ai peut-être perdu cette fois, mais je sens que ça vient. Oui, ça a été difficile, hein, comme combat. Merci vous deux, c'était un super combat. Tarak ne va pas rester invaincu longtemps à ce rythme. Sinon, c'est quoi le plan pour vous maintenant? Perso, je vais aller faire un tour dans la forêt de Sleepwood. J'ai ma petite enquête à mener. Je vais retenter ma chance à l'arène jusqu'à ce que je réussisse à avoir le badge. Une fois que ce sera fait, je filerai vers la route 9, direction Smashings. Sur ce, j'y vais. À plus. À plus, Nabil. J'espère que ça lui aura un peu remonté le moral, cette petite pause. Tarak se fait un sang d'encre quand Nabil ne va pas bien. Et toi aussi, j'imagine. Enfin bref, à plus. Très bien, et ben, allons-y. Est-ce que mon équipe est soignée? Je ne pense pas. Bah non, bien sûr. C'est ni fait ni à faire, cette affaire. Pardon, monsieur. Pardon, monsieur le poteau. Allons se soigner. On n'a pas croisé énormément de Pokémon. C'est louche. Et on va regarder s'il y a des nouvelles missions, vu qu'on a eu un nouveau badge d'arène. À bientôt. Yep. Nous recherchons des Pokémon de type glace pour nous aider à confectionner de délicieuses crèmes glacées. Bah, très bien, essayons. Mais je crois, on m'a déjà demandé mes Pokémon de type glace, il me semble. J'hésite à mettre des Pokémon pas de type glace. Parce que je crois pas qu'elle restera la mission jusqu'à demain. Enfin, jusqu'à après-demain même. On va envoyer des Pokémon bâtards. Et puis on verra, au pire, ça leur fera pas beaucoup de points. Oh, Goupix! Allez Zou, à bientôt. On va se commencer la route 9. Donc si on croise un sort-boule, il faut qu'on l'attrape. Pour le petit papy. Allez, pêchons. Ça va être un Magikarp. Ah non, un Noctilery. Très bien. Petite Rapid Ball. Un Smashing. C'est des Pokémon de type ténèbres. Après, de toute façon, je ne changerai pas mon équipe. Je vois pas pourquoi je me pose la question. Va prendre Ten Dance. Le lanceur danse sur un rythme étrange et force sa cible à imiter ce qui lui fait adopter son talent. C'est nul.
d'artillerie. Il capture ses ennemis avec ses tentacules et les écrase ensuite avec sa tête dure comme la pierre. Et après, on dit que c'est un jeu pour enfants, quoi. Ah non, un combat! Dans la vie, j'ai des principes simples. Par exemple, si je vois un dresseur, je l'affronte. Clara, la pêcheuse, veut se battre. Donc nous avons un Astucada, qui est l'évolution du Embrochet. Si je ne m'abuse. Et il se cache sous l'eau, ce Grenaze. Sarbouboule, qui se brouhaha. Rip Astucada. Astucada. Un Lanturne. On va envoyer Gorythmique. Parce que Lanturne, il est de type eau et électricité, je dirais. C'est l'évolution du Loupio, que nous n'avons point croisé. J'ai pas été énormément pêché. Je vous avoue, un peu la flemme. Je sais pas quand est-ce qu'on va avoir le vélo qui roule sur l'eau. Le vélo aquatique. Ok. Ok, ce sera sur l'île. Ce sera sur la route 9. Donc ainsi sous peu, ça ment. Ah et du coup, je suis retombée sur un des onglets de Spiritfarer et j'ai trop envie. Oui, mais on va attendre demain soir pour Spiritfarer. Que le meilleur gagne. C'est un autre de mes principes. Poisson. Petit poisson, petit poisson. Nage, nage, nage. Oh, un frou sardine. Je me rappelle jamais comment ça marche pour qu'il se mette en banc. Bah voilà. Voici un banc de frou sardine. Je sais pas si je peux l'attraper comme ça, si. Cool. Reste dans la Pokéball. Reste dans la Pokéball. Reste dans la... Scrognieux. On va aller se prendre Gorythmique avec Fauchage. Vas-y, Gorythmique. Hydro que sur Gorythmique, ça va pas faire trop de dégâts. Bon, la grêle par contre. Un petit coup de fauchage. Oh, ça va être long. Ça va être sacrément long. Mimi Cracralo, elle aime ça. Et moi j'adore ça, ça dégringole et je rigole. Cracralo, elle aime ça. Encore un peu d'eau pour Mimi Cracra. C'est... La fête à la grenouille, je compte les gouttes sous mon parapluie. T'es fier de toi, Rinouche? Aïe aïe aïe. Je l'avais sur mon iPod quand j'étais au lycée. Voilà. Je sais pas ce que ça dit sur moi. Je suis fier de toi, bravo. Bravo, bravo, hein. Ah, oh, fichtre!
Attends, avec une hyperbole, on devrait s'en sortir. Parce que si je fais trop fauchage, il va lui rester qu'un seul PV. Et... Et comme il ne lui restera qu'un seul PV, il va mourir avec la grêle. Voilà, exactement comme ça. Suis un peu triste. Sérieux, là, Froussardine, il me déçoit. J'ai un poil le seum. Peut-être que lui, il se laissera attraper avec ma rapide. Direct. Ça m'arrangerait. Je vous avoue. Parce que j'en ai marre d'être triste. J'en ai encore 90 des rapid balls. Alors que normalement, on peut pas en acheter si tôt. Oh, mais allez! Je pense qu'on va faire un coup de laser glace et puis on va voir combien de ça lui prend. Pas beaucoup. Il va me tuer sort bouboule en plus. Sort bouboule préférerait faire du camping. Le rythmique a quasi plus de vie. Bah, on va envoyer Pandarbar. Et après, on se fera un petit curry, hein. Pandarbar, fonce! Go, 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 go! Petite attaque fauchage. Normalement, je devrais pas arriver. Enfin, lui enlever trop de vie. Je pense là, ça peut le faire. Oui, on va envoyer un autre Pokémon. Bien sûr qu'on va envoyer un autre Pokémon. Fichtre. Ah, puis une Hyper Ball, on devrait s'en sortir quand même pour un pauvre poisson là qui ressemble à rien. En plus. Bah voilà. Enfin. Froussardine. Ses yeux se mouillent quand il sent le danger approcher. Le scintillement de ses larmes sert de signal pour que ses congénères se rassemblent. J'aime vraiment pas sa tronche. Est-ce qu'il y a un... Non, il n'y a pas un camp. De camping. Alors... Cuisine, on va regarder le curry d'Aix où on en est hein, quand même. Les fèves, on a tout fait. Au toast, on a tout fait. Enfin, tout fait sauf acide. Ok. On en est du coup au curry amer champignon. Tant, tant, tant. Non, le curry sucré au champignon. Champignon pêche. Les jolis champignons, champignons, champi? Non, pas cerise. Pêche. C'est parti. Allez, on attise le feu. Capte pas toujours bien tous les mouvements. Voilà.
Et on touille et on touille. Je pense que je vais pas tarder à m'arrêter. Il faut encore que je mange. Je ne sais pas encore quoi. J'espère qu'il va être bien ce que du gratin. Bah en vrai, tout à l'heure je me suis dit je vais manger en même temps que l'abominable petite créature. Et en fait non, j'en ai pas du tout envie. Et elle en plus elle l'a pas mangé. Je sais pas, je l'ai vraiment écrasé, écrasé, écrasé. Et elle a eu un morceau un peu à croquer. Et elle m'a fait une scène. Après, elle m'a demandé du comté. Je lui ai dit, par contre, si tu veux du comté, tu vas mâcher un peu de gratin. J'ai reforcé pour qu'elle prenne 2 cuillères de gratin, qu'elle croque bien. Bon, et après, elle recrachait. Mais ouais, le gratin, il doit être un peu moins cuit. Ou alors, ça doit être un peu plus des morceaux durs. Et salut, Thierry Bug! J'étais en train de dire que j'allais aller me coucher. Enfin, que j'allais aller manger. Je voulais pas manger du gratin de chou-fleur. J'espère que ça va. Je suis à la bourre, j'ai eu tellement de chance sur Go que j'ai pas arrêté. Bah, pas de soucis. Un petit combat, ok. Je te préviens, on a dansé comme des fous avec mes Pokémon, alors tu vas valser. Du coup, je pense que tu vas pas avoir de bol, mais à la fin de ce combat, j'irai me coucher. Mais au moins j'ai eu une idée de à quoi jouer. Donc ça c'était cool. 4 croquines, un instigateur, un chaglam, un Nosferapti, le tout shiny, tout ça? Genre à côté de chez toi, donc finalement c'est pas trop trop perdu. Ah c'est cool, félicitations. 4 croquines shiny. Hop, allez, rip Darumaron. J'ai pas regardé combien de Pokémon elle avait. Pas mal. Bientôt tu vas rattraper Mister Shiny. Laetitia, la danseuse, veut envoyer Jolie Flore. J'ai fly jusqu'à la vraie ville la plus proche. Ah oui, c'est vrai. Tu triches. Bouh. Tu vas te faire ban. Bouh. Non, bah c'est cool. Ah mais go, c'est le jeu avec les téléphones. Oui. Que moi je me mettais sur ma Girorou et je faisais le tour de mon quartier, je faisais toutes les arènes, tous les Pokéstops. Les gens ils me prenaient pour une malade. Avec mon petit casque. Sinon c'est 10 km pour le premier stop et 30 pour la première ville. Ah oui. Effectivement. Je crois que même à J, il y a un Pokéstop au bout de la rue. Ça alors, tes Pokémon et toi, vous m'avez fait voir une farandole de capacités. Je crois qu'on est d'accord, hein. Ah si, on va quand même se choper le Tritosaur là, parce que... Une potion max, ok, très bien. Je peux me faire ban si je fly tout le temps. Là, je me suis juste posée et je bougerai plus. Ou si je bouge, c'est pas avant un mois. Bon, ça va. Ouais, parce qu'on allait au bout de la rue, ouais, pour aller pour au Pokéstop. Il est même pas mort le Tritosaure, mais scrogneugneu. Et fly, ça veut dire faire croire au jeu que t'es à un autre endroit pour avoir accès à un Pokéstop et des Pokémon. Que au début, après je sais pas s'ils le sont encore, mais au début ils étaient vraiment super super touchy avec ça et du coup, enfin, si tu te faisais ban quasi direct. Enfin voilà, s'ils s'en rendaient compte. J'ai essayé de faire créer des stops près de chez moi, mais le formulaire chie. Et moi je vois quand nous on avait, en, quand on a emménagé là où on habite maintenant, c'était un moment où ils avaient même bloqué, tu pouvais plus, enfin ils créaient plus de Pokéstop.
Ça n'est pas très efficace. Parce que du coup, moi, Flork et Carole, on avait proposé le même Pokéstop. Et en fait, ça nous avait même pas répondu. On va pas trop forcer parce que Tritosaur, je me demande s'il se prend pas des dégâts de la grêle. J'ai essayé de faire créer des stops. Ah ben, voilà. En ville, il y en a trop, mais hors ville, c'est désert. Bah, c'est ça. Et par contre, quand les choses sont. Je vois, moi, dans l'école où j'avais travaillé, il y avait un Pokéstop sur un des jeux du parc de l'école. Ça a été détruit. Et ben, rapidement, il a été désactivé, le Pokéstop. J'avais le seum. Sérieux, j'arrivais dans ma classe, je lançais mon téléphone, j'étais sur le Pokéstop et je me rechargeais tout ce que je pouvais. J'étais vraiment triste quand ils l'ont désactivé. Les données du Tritosaur ont été ajoutées au Pokédex. Donc c'est l'évolution de. Bon, je me rappelle plus. Sans coquille. Il est couvert d'une substance visqueuse. Il ne peut rester trop longtemps sur la terre ferme sous peine de se déshydrater. Faut aussi attraper Bekipan. Même là, tu me donnerais presque envie d'y rejouer, c'est. Mais j'ai pas que ça à faire. J'ai connu ça il y a quelques années. J'habitais entre 4 stops et chiottes. Je pouvais attraper une araignée. Ça, c'est trop bien. Franchement, non, dans le quartier où on habitait avant, il y en avait vraiment beaucoup, mais pas depuis l'appart. Mais ouais, genre quand j'allais à la fac, je faisais le tour du quartier, je me prenais les trois arènes. C'était pas mal. Alors, Bekipan, il nous enquiquine. On va envoyer Goric. Si tu rejoues, je t'embauche pour m'aider à finir Home. Après, non, si ça va. J'en avais pas mal. Je sais même pas à quel. Mais non, mais pas une rapide ball, on n'est plus au début du combat, mec. Je sais même pas. Moi, je crois que je me suis arrêtée, il venait de mettre la quatrième génération. Non, Gorythmic, il va donner des petits coups de fauchage. Mais je l'ai même pas sur ce jeu, sur ce téléphone. Là où il y a le festival, il y en a beaucoup. Ouais, bah j'imagine. Il n'en manque plus que 90 sur les 800 sorties. Bah c'est pas mal. Il y en a 800 sur Go. Oh, putain. Donc il y a quoi? Donc il manque la dernière génération en fait. Ils sont jusqu'à la 8. Non, il y en a. Ça n'a aucun sens. Comment ça? Il y a les starters et les cochons foam aussi. Ok. Ah, eux, je pense, eux, ils sont sortis en avant Écarlate pour faire un peu teaser, non? Allez, reste à. Reste à. Oh! Scrognonieux. Plus la grêle, elle va lui infliger des dégâts. Faut surtout pas que je fasse chauffe. Fauchage. Mais franchement, dans les starters, le seul qui tienne la route, c'était le petit chat. À tes souhaits. Peut jamais bafouiller avec toi. Hein. Alors, ce serait bien qu'on arrive à l'attraper avant qu'il meure à cause de la grêle. Parce qu'on ne peut pas soigner les Pokémon adverses. Étonnamment. Mais scrogne. Alors, il n'arrête pas d'utiliser la compétence aval. C'est, je crois, s'il avait une baie. Ça lui permettrait de la manger. Ou s'il avait un concombre de mer dans la bouche. Reste attrapé.
Ça suffit. Moi, je vais t'envoyer Rinouche te faire les gros yeux, tu vas voir. Sur la gazette, j'ai mis les gros yeux de Flork et Rinouche. C'est bien, on a gagné le combat. On est ravis. Ouh! Non mais moi, je voulais aller me coucher. Tu as fait une photo? Ouais, j'avais fait une photo. Attends, ça a duré 5 minutes. Pendant 5 minutes, vous étiez immobile à fixer l'abominable petite créature. Bien sûr que j'ai fait des photos. Pas prêt de récup les shiny que j'ai eu. Je suis limité à 3 max par semaine. Tu me l'envoies? Ouais, je te l'enverrai. Par semaine? Punaise. Parce qu'en fait, dans Go, tu peux récupérer énormément de Pokémon rapidement, mais... Mais quand même, par semaine. Et on a attrapé Bekipan, oui! Et Sorboul va prendre Blizzard. Eh ben, il va apprendre Blizzard, quoique. En précision 70. Ouais, bah, à la place d'étonnement. Ça coûte de l'énergie de transfert et ça coûte hyper cher, les shiny. Ah oui, avec les paillettes, là, non? Mais oui, effectivement. Avec son grand bec, il transporte de la nourriture qu'il a récoltée en volant la bouche ouverte au ras de la mer, gobant de l'eau au passage. Sept jours pour recharger l'énergie et trois shiny plus d'énergie. Punaise. C'est énorme. Alors, qui va-t-on mettre en premier? Eh ben, Mouflaire. Pour aller attraper l'évolution de Biscuze. Qui s'appelle Oyade. Rose, donc c'est une femelle. Vas-y, plaît. Cet après-midi, l'abominable petite créature, elle a regardé Petit Ours Brun et Grand Ours Rousse. Mais dans ses popis, il n'y a pas Grand Ours Rousse. Et du coup, elle était là. Mais elle est où, Grand Ours Rousse? J'ai dit, bah non, il n'y a que Petit Ours Brun dans les popis. Donc son petit cœur était brisé. Voilà. Mouflaire monte au niveau 52. Et nous avons attrapé Moyade. Les nuits de pleine lune, ils se réunissent à la surface de la mer pour attendre leur proie. Ok. Très bien. Eh bien, sauvegardons. Voilà, cette fois, on s'arrête. PH Papineau est content du rangement. Bah oui, mais c'est normal. Puis, de toute façon, l'abominable petite créature, elle était avec Florque. J'essayais de la faire se coucher, donc fallait bien que je Et en gros, quand j'ai fini de ranger, je suis descendue et c'est bon, elle était prête à se lever, donc. Donc non, j'allais pas leur laisser. Bon ben voilà, ça c'est fait. On a bien travaillé ce soir. Du coup, oh, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Zelda, mais j'ai plus trop envie d'y jouer. Du coup, demain après-midi, pendant la sieste, j'espère qu'il y aura de la sieste, sinon ça va me saouler. Ce sera Cassette Beast. Et demain soir, Spiritfarer. Voilà. Tout simplement. Donc en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Est-ce qu'on envoie un raid? Ce serait bien quand même. Mais je sais pas qui. 10 minutes de grattage de cheveux. Hop. Grattage de cheveux. J'ai trop de monde co le soir. Mais c'est ça! Je sais pas chez qui aller. Comment ça, du grattage de cheveux? T'as une idée, Thierry Bug, de chez qui on va? Après, vous êtes deux. Et... Il y a trop de monde.
On a quoi? Non, là, c'est du... Ah, bah sinon, on va chez Catafol. Mais elle regarde un truc qui fait peur. C'est comme ça que je l'ai endormie. Ah! Quand je sais pas, je prends le premier proposé quand on lance le raid. Ouais, mais elle, je la connais pas. Alors, ça va être Pretty Color. Coloriage. Qui... Le stream n'a pas encore commencé. Fichtre. Attendez, on va aller voir. Ils sont du site. Si, c'est bon, elle a commencé. Et bien, du coup, on va aller chez Pretty Color. Et bien, je vous dis du coup à demain, normalement demain après-midi. Je le lance sur mon téléphone. Voir. Parler, ça peut être pratique. Bonne nuit. C'est parti. Des bisous. Alors, est-ce qu'il est parti le raid?